Lecture de la note intime numéro 12 d'Élisabeth de la Trinité, datée vers le 9 août 1901. Questionnaire d'entrée au Carmel. Quel est, selon vous, l'idéal de la sainteté? Vivre d'amour. Quel est le moyen le plus rapide pour y parvenir? Se faire toute petite, se livrer sans retour. Quel est le saint que vous aimez le mieux? Le disciple bien-aimé qui reposa sur le cœur de son maître. Quelle est la sainte que vous préférez et pourquoi? Notre sainte Mère Thérèse, parce qu'elle mourut d'amour. Quel point de la règle préférez-vous? Le silence. Quel est le trait dominant de votre caractère? La sensibilité. Votre vertu de prédilection. La pureté. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le défaut qui vous inspire le plus d'aversion. L'égoïsme, en général. Donnez-vous une définition de l'oraison. L'union de celle qui n'est pas avec celui qui est. Quel livre préférez-vous? L'âme du Christ. Elle me livre tous les secrets du Père qui est aux cieux. Avez-vous de grands désirs du ciel? J'en ai parfois la nostalgie, mais, sauf la vision, je le possède au plus intime de mon âme. Quelle disposition voudriez-vous avoir à la mort? Je voudrais mourir en aimant et tomber ainsi dans les bras de celui que j'aime. Un genre de martyr vous plairait-il davantage? Je les aime tous, surtout celui de l'amour. Quel nom voudriez-vous avoir au ciel? Volonté de Dieu. Quelle est votre devise? Dieu en moi et moi en lui.